des choses à faire. Thierry, bonjour. Alors, qu'est-ce que tu fais Ben ouais. Ah, c'est une vidéo caméra aussi. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu fais à l'Apple Expo? Eh bien, je me promène, je cherche les hôtesses. Non, en fait, je suis là pour mettre le feu avec Gaspanic ce soir. Alors, c'est quoi le programme? J'en sais rien du tout. David m'a appelé et m'a dit « Thierry, est-ce que tu veux pas animer le show à l'Apple Expo parce que ça va être terrible ?» Moi j'ai dit « C'est quand le jour où il y a le plus de monde ?» Et il m'a dit « C'est le vendredi. » Alors je suis venu vendredi. Voilà. Et t'as prévu un petit programme, un petit show, petit scriptise? Je suis en mode automatique, David va s'occuper de tout. J'ai toute l'après-midi, quelle heure il est? 2h, 3h? Il doit être bientôt 3h. J'ai toute l'après-midi pour aller faire quelques petits reportages, aller voir des gens, faire quelques interviews, des gens comme toi, et voilà. T'as prévu des achats? Absolument pas, je suis totalement fauché. C'est ça, les vrais entrepreneurs n'ont pas d'argent et donc je suis un vrai entrepreneur, je n'ai pas d'argent. J'aimerais savoir si ça te botte d'acheter un iPhone si tu avais de l'argent quand même. Non. Parce que... Ah, tu veux savoir pourquoi? Oui. Alors je vais te montrer pourquoi. Parce que j'ai l'air acheté ces taux. T'as l'iPhone killer en fait. Ah. Mieux. Parce que j'ai ça. Qu'est-ce que c'est? Le BlackBerry Curve 8310. Il tue sa race. Voilà pourquoi je n'achèterai pas de iPhone. D'ailleurs, Rim, si vous m'entendez, envoyez-moi un 8320. Non, parce que d'habitude, j'accepte pas les cadeaux. Mais le seul cadeau que j'achèterai, c'est un BlackBerry 8320. Et qu'est-ce qu'il fait de plus? Enfin, qu'est-ce qu'il fait en fait? C'est un BlackBerry, donc je reçois tous mes emails en temps réel. Et ça, c'est chouette. Ensuite, il est super fin. Ça, c'est encore plus chouette. Ensuite, ah oui, le truc qui tue. Non, mais non, il est Edge, malheureusement. Mais le truc qui tue, c'est le GPS. Alors, moi, je suis toujours perdu à Paris. Je me branche sur le Google Maps, t'as un petit point qui clignote, c'est toi. Quand t'es mort, ça clignote plus. C'est le point qui clignote, c'est toi. Et tu te vois sur le Google Maps en fait. Et tu cherches une station de métro, tu mets l'adresse et tout, et ça t'indique tout ça. Et tu te balades avec dans la rue, en marchant, et ça t'indique. Et puis j'ai mis un petit programme supplémentaire dessus, de guidage piéton. Ce qui fait que quand je marche, t'as une grosse flèche qui t'indique, comme pour les voitures, ça fait super espion, genre Jack Bauer. Jack, c'est mon nom. Et voilà, donc je me la pète à mort, tout seul, comme un grand. J'adore ça. Pas mal. Le téléphone ne pourrait pas me procurer ce genre de plaisir intense. Voilà. La dénonce à l'Apple Expo. Si c'est ce que j'aime bien à l'Apple Expo, c'est les accessoires. Oui, moi j'aime beaucoup les accessoires. Non mais les sacs, les trucs comme ça, les pochettes, les machins, moi j'aime bien. Puis voir les petits programmes, et puis il y a des boîtes comme Kingston, des bouquins, tout ça, ça m'intéresse. Bah merci Thierry, on ira voir ton show ce soir. Puis oui. Pète la baraque, hein. Est-ce que je t'ai déjà déçu, Thierry? Non, jamais. C'est bien ce que je pense. Bon, bah, bon courage et bonne continuation. À bientôt sur Intruders TV.